on a décidé de jouer nos matchs de qualification Coupe du Monde sur à Tchaker. En accord, consensus avec les joueurs. Parce que c'est qui joue sur le terrain, c'est les joueurs. J'ai beau avoir moi un avis, j'ai beau avoir un truc, mais si les joueurs, notamment les joueurs d'expérience qui ont connu déjà des qualifications de Coupe du Monde, se sentent bien à Tchaker, on va jouer sur le stade de Tchaker. Jusqu'à la fin des qualifications, ça sera normalement Tchaker. À partir de là, Inch'Allah, qu'on obtient notre billet pour le Qatar en 2022, à partir de là, on aura quasiment une année, entre mars et trucs, on aura quasiment une année, plus d'une année peut-être même. Non, un peu moins d'une année. Et on aura la possibilité de jouer dans les stades un petit peu, dans les autres stades. On jouera dans les autres stades sur nos matchs, au rang, parce que c'est celui qui est prêt. Peut-être, je ne sais pas, d'ici là, peut-être on espère, peut-être à Tizouzou, peut-être à Constant. Là où les stades seront prêts, Inch'Allah, moi, j'ai toujours vu les choses comme ça de manière, essayer de jouer partout dans le pays pour pouvoir se produire un peu partout dans le pays.